Bonjour les amis, c'est LOTP, Lord of the Pokémons. Je suis encore un petit peu enrhumé, je parle un peu du nez encore, je m'en excuse d'avance. Allez, on passe là-dessus, c'est pas très grave, je me porte quand même bien. Alors, on va essayer de s'ouvrir aujourd'hui deux items. Alors, on va essayer, non, on va se les ouvrir, mais on va surtout essayer de trouver des bonnes choses à l'intérieur. On a un bundle destiné de Paldea et à côté, un tripack Patachio. Alors pourquoi un tripack Patachio? Je l'avais mis de côté, mais j'en ai eu un deuxième en boutique cette semaine sur du Réassort. Et pour l'anecdote, celui que j'ai trouvé, on est sur 3 Pikachu. Donc je suis encore plus content de l'avoir trouvé et de le mettre de côté. On a Patachio devant et 3 Pikachu derrière. Impeccable. Ça c'est pour l'anecdote. Maintenant celui-ci, du coup, on va l'ouvrir. Il était de côté, je pensais en garder un quand même en scellé. Et puis ça, ben c'est des petits items que tout le monde s'arrache. J'ai pu en avoir plusieurs dans les mains. J'en ai pris deux. Et on va s'en ouvrir un. Le deuxième, on verra dans le temps ce qu'on va en faire. Allez, on commence. On va commencer par le tripack. On va se mettre ça dans le coin. Et on va commencer par le tripack. Yep. Ah, arraché. C'est sûr, c'est que lui, il ne resservira plus. Ah, c'est sacrément accroché. Hein. Voilà. Le code. Et le Patachio. Est-ce que c'est la meilleure des trois illustrations des tripacks? Je ne pense pas. Bon, en même temps, il est quand même assez sympathique. Et puis, ben, il sera assez emblématique en fait de cette série-là. Hein. Forcément, maintenant qu'il est sur les tripacks, on pensera à lui pour Destiny de Paldea. Voilà, ça c'est la promo. Son sticker repositionnable. Voilà, pour les enfants. Et un Pikachu avec Oyakata et Malvalam. Allez, on se le fait dans ce sens-là. Et on essaye de trouver... Oh, un Mew, par exemple. Peu importe lequel, mais si possible alternatif. Alors, je suis toujours à la recherche des Pokémon en alternatif. Même si j'ai la machine, hein, j'ai quand même un dresseur. Et je veux aussi absolument une Gold. On va bien réussir par réussir à en avoir une. Allez, Charbonbain. Tarsal Terracool. Poulpaf Reptincel. Hyperbole. Colossinge, Karmadura, donc déjà, là, on n'a pas du tout de shiny dans ce booster. Tarsal, et une ex Terra Crystal, Cléopsytra. Et ben, c'est pas mal. Alors, c'est des cartes qui cotent absolument que dalle. Absolument que dalle, j'ai pu voir ça sur... là on a fait une bourse d'échange et j'ai vu des cartes partir et dont les miennes hein, qui sont parties en échange sur une base de 60 centimes. Hein. Donc c'est quand même assez fou. 60 centimes la carte ultra rare, on se dit qu'une reverse... Une reverse recherchée peut se revendre aux entours de 1 euro, donc même des fois plus sur des séries récentes. Donc ça vaut vraiment rien. Loupio, Chauve-Sourire, Bagiguane, Mordudor, Feblobol, Rhinolove, Colin Clair de Lune. Allez, on veut quand même de la shiny. Et on aura une shiny. Ramolos, excellent. Excellent. Ramolos, ça fait partie des gros Pokémon. Il fait partie des 151 premiers en plus. Hein, on est sur le numéro 79. Et là, c'est la shiny 116. Fampi derrière. Fampi l'Effélan. Et Vrombotor. Ramolos. Beau hit. Ça, content de ne pas l'avoir laissé de côté, je vais être content de le mettre dans la collection. Deuxième code pour vous, c'est pas mal.
On se fait un 3 sur 3 ou un 4 sur 3? Ah, je voulais le garder de côté et il s'est déchiré. Donc ce sera encore pas toi. Il me semble que j'en ai de côté aussi déjà. Allez, Bagiguan, élève de Paldea, Loupio, Pomme de Pique, Reptincelle, Hyperbole, Colossinge. Allez, une chance encore. Oh là là, il y a quelque chose de bon. Cléopsytra X, ça vaut que dalle. Ça fait partie des cartes à moins d'un euro, je crois. Allez, c'est quand même cool, je la prends, mais c'est une que j'ai déjà. Fragroin et Gros Magot. Eh ben c'est bien, elle est 3-8. Cléopsytra, Cléopsytra X. J'ai l'impression que là on était sur un coffret Cléopsytra, n'est-ce pas? Ça, c'est pas mal. C'est aussi pour vous gagner. Et maintenant, on s'attaque ça. L'autre 6 boosters. Alors, je pense que maintenant, tout le monde connaît. C'est pas un kit d'AP, comme, kit d'avant-première comme ça peut exister sur d'autres séries. Là, c'est vraiment juste pour vendre des boosters à moins cher. Alors, à moins cher quand on achète en boutique, hein, parce que c'est des items qui se revendent déjà au double de leur prix. Alors, pas tout à fait, mais ça, on va y arriver facilement. Voilà, une petite boîte carton. On a un magnifique Pikachu derrière. C'est le premier que j'ouvre. Hein. C'est pas texturé, mais on croirait. C'est vraiment sympa. C'est un magnifique objet. Alors, je ne sais pas par où ça s'ouvre. Ça s'ouvre ici. Et ça, ok. Donc ça s'ouvre ici. Je n'en sais rien. Ok, il faut le décrocher. C'est pas gagné, hein. Voilà. C'est ouvert. Pikachu, il a perdu ses cheveux. Deux Pikachu de Malvalam. Et ben on va faire dans ce sens-là pour celle-ci. Allez, la boîte, on va la mettre dans le coin. Tu es trop sympa. Pour le visuel, on y pense. Vous êtes là pour passer un bon moment. Et ben c'est agréable aussi que votre écran soit propre, bien rangé, bien ordonné. Et ça, votre écran, c'est simplement mon espace, mon tapis à moi. Loclass, Mime Junior, Barloche, Grondog, Clove et Colossinge. Hop, là, il y a encore quelque chose entre les deux. Hyperbole, Super Bonbon Reverse, Deden et Recherche Professorale. Petit flop. Hop. On se redonne une deuxième chance sur 6. Natu. Super bonbon. Doudouvet. Marakashi. Générateur électrique. Rhinolove. Ectoplasma Reverse. Ah non, on n'est pas sur la reverse. On est sur la deuxième peu commune. La reverse arrive ici ou la shiny. Eh ben, ça va être mordu d'or. Sonistrel. Ah, c'est pas très pratique ici. Et Motisma Chaleur. C'est encore raté. Oup là, mais ça souffle. Tout seul, il n'y a pas de point de colle là-dedans ou quoi? Allez, Chamallow, Pomme de Pique, Élève de Paldea, Loclass, Reptincelle, Fragroin,
Camerupt. Olivado en shiny. Olivado avec ses petites olives dans les cheveux. Version féminine. Elle est sympathique comme Yapa. C'est la 103 sur 91. Marakashi derrière. Et Magano. Donc ça, c'est aussi très intéressant à avoir. Une shiny de plus, une shiny qu'on n'a pas, qui va remplir le set. C'est très bien, ça fait un hit, donc déjà on n'est pas totalement bredouille dans cette boîte. Six boosters, faudrait pas ne rien avoir, hein. Ça ferait très très mal. Vrombi, Salamèche, Deden, Menzi, hop là, je vais trop vite. Clove, Farfaduvet, Bagaïd, Krakos, Mimiki et Recherche professorale. Bon, on venait de se réjouir d'avoir quelque chose. Juste Olivado. Ah oui, celui-ci est déjà ouvert. On s'en fait pas. Ah ben voilà comment en garder en bon état. Vu qu'il n'y a pas de point de colle, tout de suite il est impeccable. On compte sur toi. Apporte-nous de la chance, Dieu des Pokémon, s'il te plaît. Gourmelaine E9, Fantominus, Tarsal, Famignolle, Colline Claire de Lune. Reptincelle, c'est maintenant. Ah bah oui, si vous êtes demandé. Fortress X. C'est cool parce que je crois que je n'avais pas cette Terra Cristal. Donc voilà, on a quelque chose. Hyperball. Et Motorizard, qu'on a évidemment déjà eu plein de fois. Voilà. Alors c'est une petite trouvaille, hein, je vous dis, c'est Terra Cristal, c'est pas énormissime. Mais il faut les avoir, je suis content de les avoir par moi-même, j'ai pas envie d'acheter ces cartes-là, même si ça vaut rien du tout, je préfère les avoir par moi-même. Trois Terra Cristal, dont deux en shiny. Le dernier Pikachu pour cette ouverture. Et il résiste. Il ne veut pas nous lâcher ses cartes. Voilà. Chamallow. Natu. Élève de Paldea. Doudouvet. Feblobol. Lanturne. Et maintenant, on prend notre temps. Il va nous rester derrière, tout à la fin, une carte énergie. Maintenant, entre les deux. On a 4 cartes. Donc, derrière Lanturne, Fragoin. On enlève Fragoin. Il nous reste 3 cartes rares. Est-ce que la première est une shiny? Pas du tout. Fragoin. Est-ce que la deuxième est une alternative? Pas du tout. Fampi. Et est-ce que la troisième est un hit? Mais pas du tout. Bon, eh ben ça c'est du final. C'est pas le final auquel je m'attendais. Je pensais beaucoup mieux. Tu me déçois un petit peu. Je pense que j'ai pas ouvert la bonne. Ça se trouve la deuxième est pleine de magnifiques hits. Et là, j'ai ouvert pour ça. C'est limite. C'est comme ça. C'est le jeu. Et allez, on a quand même quelques petites choses. Deux nouvelles Shiny et des Terra Crystal Shiny. Voilà pour le résumé. C'est mieux que rien. Merci de m'avoir suivi. Et on se retrouvera pour bien meilleur sur une prochaine ouverture. À bientôt les amis. Ciao, ciao.